Bonjour et bienvenue sur la chaîne Mon Tiroir de Couture, qui est une chaîne dédiée au tricot mais aussi à la couture. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel pour tricoter une brassière pour bébé prématuré né entre 33 et 37 semaines et qui mesure entre 43 et 48 cm environ. J'ai trouvé ce document sur le site que je vous mettrai en barre de description. Et du coup, je l'ai tricoté tout simplement. Donc je vous laisse aller découvrir le site en barre de description, en barre d'information. Et n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos. Je vous laisse avec le tutoriel. Pour commencer, on aura besoin d'aiguilles numéro 3 mm, d'une pelote de laine. Donc moi j'ai choisi la couleur, on va dire crème, beige, comme vous voudrez. Et donc pour commencer, on va monter 35 mailles. C'est parti. Je viens de monter mes 35 mailles. J'ai pris un contrant qui me facilitera la vie pendant la réalisation de ma brassière. Maintenant qu'on a tricoté nos 35 mailles, on va venir tricoter 4 rangs au point de mousse. C'est parti pour 4 rangs au point de mousse. Hop. Si vous n'avez pas de contrant, vous pouvez très bien prendre une feuille avec un crayon et faire des petits traits ou des chiffres, tout simplement. Ça vous aidera à la place de prendre un contrant. Donc on commence par tricoter le premier rang et toute la brassière sera au point de mousse, donc je ne préciserai pas qu'il faut faire du point de mousse. Toute la brassière est que des points à l'endroit, donc inutile que je vous le redise. Donc c'est parti pour le point de mousse. On a 4 rangs à tricoter. On commence là, on commence le dos, donc je précise pour ceux qui voudraient se situer. Et la brassière se tricote en un seul morceau, donc c'est-à-dire que là, au lieu de la tricoter de bas en haut, on la tricote en tournant en fait. On la tricote vraiment d'un bras à l'autre, tout simplement. Ça change des autres tricots. A tout de suite pour les 4 rangs. Je viens évidemment de finir mes 4 rangs qui fait 2 barres de point de mousse, puisque un aller-retour plus un aller-retour font 4 rangs. Et j'ai bien évidemment mis les 4 rangs sur mon contrant. Maintenant, je vais venir le remettre à zéro, tout simplement. Et on va commencer à créer la brassière. Là on a commencé le dos et on va le continuer, donc écoutez bien attentivement, même si je vais vous le répéter. Alors pour le rang 1 et le rang 2, donc un aller-retour, on va tricoter les 35 mailles à l'endroit, donc on va revenir faire une barre de point de mousse. Donc c'est parti. Alors vous pouvez vous aider du contrant qui est toujours là ou de votre feuille qui est à côté de vous. Donc on tricote les 35 mailles à l'endroit, toujours à l'endroit, pour le premier rang et le deuxième rang. J'ai terminé le rang 1 et le rang 2 qui font que j'ai 3 barres de point de mousse. Ensuite on va attaquer le rang 3. Donc le rang 3, on va tricoter 20 mailles à l'endroit et ensuite on tournera le travail. Donc là, on tricote toujours à l'endroit, donc on tricote 20 mailles. j'ai mes 20 mailles, donc maintenant on tourne le travail. Et donc notre fil normalement est face à vous sur l'aiguille de gauche. Donc rang 3, on n'oublie pas de mettre le rang 3. Sur le rang 4, on tricote les 16 premières mailles à l'envers. Donc on tricote les mailles à l'envers. Après, c'est facile pour vous de vous repérer. Normalement, il doit vous rester 4 mailles au bout du rang que vous ne tricoterez pas. À l'envers, évidemment. On va venir faire, du coup, les 4 dernières mailles à l'endroit. Donc, on passe le fil juste derrière et on tricote une, 2, 3... et 4 mailles à l'endroit. Il n'y a que les mailles du milieu, donc les 16 mailles qu'on a tricotées à l'envers. Vous comprendrez après pourquoi on a fait les mailles à l'envers. Donc je viens mettre que j'ai tricoté le rang 4. Comme ça, je ne suis pas perdue dans ma progression. Ensuite, on vient faire le rang 5 et le 6. Donc, on va venir tricoter les 25 premières mailles à l'endroit, puis on tournera le travail. Donc c'est parti. Je tricote mes 25 mailles. Et ensuite, quand on a tricoté nos 25 mailles, je vous montrerai juste l'aperçu de ce que ça doit, de comment procéder. J'ai donc tricoté mes 25 mailles à l'endroit. Il m'en reste du coup de l'autre côté. Donc il m'en reste 2, 4, 6, 8 et 10. Il m'en reste 10 puisque c'est un chiffre impair. Donc mes 25 mailles tricotées, on vient tourner le travail pour tricoter les 25 mailles à l'endroit. Donc là on repasse l'aiguille devant pour que le fil soit derrière, et on vient tricoter nos 25 mailles au retour. Tout simplement, et là on finit tout le rang à l'endroit. Une fois vos 25 mailles tricotées en aller-retour, on va revenir faire un aller-retour, donc le rang 7 et le rang 8, et on va faire 30 mailles. Donc là, je viens mettre rang 6, puisqu'on est au rang 7 et 8. Et là, on vient au rang 7 et 8 tricoter 30 mailles en aller-retour. Donc là, je tricote 30 mailles et ensuite je tournerai le travail sur l'autre côté pour tricoter les 30 mailles. Je vous montre tout ça. Je viens de tricoter mes 30 mailles. Donc il me reste 5 mailles, 2, 4 et 5. 5 mailles sur l'aiguille de gauche. Là, j'en ai 30. Donc je viens tourner le travail pour retricoter mes 30 mailles sur la partie retour. Donc là, je passe mon fil derrière et je viens tricoter mes 30 mailles à l'endroit. Donc voilà, j'ai tricoté mes 30 mailles. Et donc on va revenir faire un aller-retour pour tricoter nos 35 mailles ensuite. Donc là, je pense bien à mettre le rang 7 et le rang 8 dans mon compteur. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez utiliser le compte-rang plus la feuille, puisque vous allez devoir répéter l'opération que je viens de vous montrer. Vous allez devoir répéter ces 8 rangs 5 fois. Vous allez devoir faire 5... Après, c'est assez facile, parce que vous savez que par... Comment dire? Par dessin, donc par bande comme ça, vous allez devoir obtenir 5 petits traits où vous avez du jersey dans le milieu. Donc voilà. Donc je refais avec vous Si vous voulez, je pourrais vous mettre une photo dans le coin de l'écran. Et le mieux serait que vous téléchargiez le document, si j'arrive à vous le mettre, dans la barre de description du site de la personne, évidemment. Donc voilà. J'espère que les explications ont été claires. Et une fois que vous aurez répété ces 8 rangs 5 fois, le dos sera terminé pour vous en fin de compte. Donc voilà. Je vous montre la suite des opérations après, une fois que j'ai fini les étapes. A tout de suite. Donc j'ai terminé de tricoter les 5 motifs. Donc je vous montre. On a commencé ici. Pardon. On a commencé ici. Et donc on a tricoté un motif, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez les petites barres. Les petites barres ici de jersey. Il en faut 5. Donc 1, 2, 3. 4 et 5. Donc j'ai terminé la première partie. Maintenant on va passer à la partie 2. Donc la partie 2, ça va être pour commencer à créer une manche. Alors, on va tout simplement tricoter les 20 premières mailles à l'endroit. C'est parti. Et 20. Donc normalement, j'ai 20 mailles. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. J'en ai 20. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que là, j'ai mes 20 mailles sur mon aiguille de droite et sur mon aiguille de gauche. Du coup, il y en a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il y a 15 mailles sur l'aiguille de gauche et 20 mailles sur l'aiguille de droite. Si vous avez un arrête-maille ou une aiguille inférieure, donc moi j'ai pris là mes aiguilles pour tricoter, c'est des 3 mm et du coup j'ai pris une taille 2,5. Tout simplement pour ne pas agrandir mes mailles et les garder en attendant. Donc on va glisser les mailles de droite sur l'épingle, enfin sur l'épingle que vous avez ou sur une aiguille. Temporairement. Mais avant, moi j'ai la petite astuce du coup pour ne pas couper le fil. Vous allez venir tricoter la maille, une maille de plus, et vous venez la repasser sur l'aiguille de gauche comme si vous ne l'aviez pas tricotée pour que le fil suive de l'autre côté. Du coup, on pousse bien et en attendant, sur l'aiguille de droite, on vient récupérer toutes les mailles. Donc. Et ensuite, je les mets jusqu'au fond de l'aiguille. Comme ça, je suis sûre de ne pas les perdre. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est qu'on va venir rajouter 15 mailles sur l'aiguille de gauche. Avant de pouvoir tricoter les 15 mailles qui nous restent. Donc, vous voyez que la maille, pardon. Donc, vous voyez, là, il reste les 15 mailles. Avec la première maille évidemment qui a été tricotée volontairement pour ne pas que je coupe le fil et que le fil continue sa continuité du travail. Du coup, je tourne le travail et là je suis sur l'aiguille à ma droite du coup, le fil est ici et je vais venir du coup ajouter 15 mailles sur l'aiguille de gauche. Donc je viens faire un rajout. Et 15. Donc j'ai ajouté 15 mailles ici. Non, c'est pas 15, c'est 18, pardon. Je rectifie, je me suis perdue dans mes explications. Donc là, j'ai mes 15 mailles sur mon aiguille de gauche. Vu qu'on a arrêté les mailles, et maintenant qu'on a nos 15 mailles sur l'aiguille de gauche, on vient ajouter 18 mailles. Donc du coup, ça fait 16, 17 et 18. On a 18 mailles juste avant les 15. Donc du coup, ça fait 15 plus les 18. Et donc maintenant, on vient tourner le travail. Alors attendez, je vais dérouler juste un peu de laine pour avoir un petit peu de fil. Hop. On obtient donc 33 mailles au total. Puisque la 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 33 mailles, c'est ça. On arrive donc à la troisième partie du tricot. On va créer la première manche. Donc là, on vient de monter nos points. On a donc 33 mailles. Donc le rang 1 et le rang 2. On va tricoter les 33 mailles à l'endroit du point de mousse, évidemment. C'est parti. Donc, on a le rang 1 et le rang 2 à tricoter, donc un aller-retour à tricoter les 33 mailles. Une fois que vous avez tricoté vos 33 mailles en aller-retour, on va venir faire le troisième rang. Et donc, le troisième rang, il faut tricoter les 18 premières mailles, donc c'est parti. Parfois, ça va pas être pratique pour tricoter la troisième aiguille, mais bon, faut faire avec. Alors, 18 mailles. On compte bien, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Pour le rang 4, on va venir tricoter les 14 premières mailles à l'envers. Donc on tourne le travail. Et là, on vient tricoter nos 14 premières mailles à l'envers. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Ensuite, pour le rang 5, on va venir tricoter les 19 mailles à l'endroit. Donc, on laisse les 4 mailles du bord de côté. On vient tourner le travail. Et on vient tricoter les 19 premières mailles à l'endroit. Donc là, il nous reste 4 mailles qu'on ne tricote pas. Et on vient retricoter les 19 mailles de ce côté. Donc, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Ensuite, pour le rang 6 on va venir tricoter 23 mailles à l'endroit. Donc on tourne le travail et on vient tricoter les 23 mailles à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23. Et là on vient de tricoter jusqu'au poignet. Le poignet il est juste ici. Et pour le rang 7 et le rang 8, on va venir faire un aller-retour sur les 28 premières mailles. Donc c'est parti. Je vous laisse tricoter les 28 premières mailles en aller-retour. Et on se retrouve après. Je viens de terminer mon aller-retour sur les 28 mailles à l'endroit. Donc voilà ce que ça vous donne. Voici un bout de la manche. Donc les 8 rangs que je viens de vous présenter, c'est les 8 rangs que vous allez devoir répéter 7 fois au total pour réaliser la manche en entière. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière pour réécouter les rangs. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, n'hésitez pas à le poser dans les commentaires. Moi, je vais réaliser les 8 rangs du coup de mon côté pendant 7 fois. Et quand j'aurai réalisé les 7 motifs comme ceci, je vous retrouve. Je viens de terminer de tricoter la manche. Donc la manche est juste ici. Ça, c'est une partie. Ça, c'est la manche. Donc j'ai répété les 8 rangs que je vous avais proposés juste avant. Je les ai répétés 7 fois, donc ce qui vous permet d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc les petits traits dans le milieu, en fin de compte, c'est un petit peu des repères. Ces repères-là, là, juste ici, petits repères de jersey. J'ai 7 dessins, donc maintenant, je vais pouvoir venir rabattre mes 18 mailles, juste ici. Donc j'ai 18 mailles à rabattre, et ensuite on terminera le rang normalement. Donc c'est parti. On va rabattre 18 mailles. Donc pour vous aider, moi je vais prendre un petit marqueur. Les petits marqueurs comme ceci. Et là du coup je fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Comme ça, je mets le marqueur dans le milieu. Je sais au moins que j'ai 18 mailles à l'arrivée, juste ici. Vous pouvez faire comme moi, ça marche très bien. Donc, on rabat les mailles. Si vous voulez plus en détail, je vous invite à aller voir mes vidéos précédentes. Là, j'arrive dans les dernières diminutions. Normalement, j'ai terminé. Donc, je vais juste calculer que j'ai le bon nombre de mailles à gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. C'est bon, j'ai 15 mailles. Donc j'ai terminé. Le petit marqueur, on le met sur le côté. Hop. 15. Donc là, vous avez les 15 mailles, mais avec celle-ci, vous en avez 16. Donc, moi, je viens refaire une diminution en plus. Voilà. Et du coup, ça vous fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Il faut que vous refassiez une diminution pour avoir 15 mailles en comptant celle-ci. Donc là, on termine le rang avec 15 mailles totales. Là, le rang est terminé. Donc voilà, vous avez rabattu vos mailles juste ici. Donc la manche, elle représente toute cette partie-là. Comme ceci. Voilà. Si ça peut vous donner une idée. Maintenant, on va venir tricoter les 15 premières mailles de l'autre côté. Donc là, on vient tricoter les 15 mailles. Toujours à l'endroit, sauf quand on nous demande en jersey. Donc là, je tricote mes 15 mailles. Voilà, donc là j'ai mes 15 mailles. Et on va venir reprendre les 20 mailles en attente sur votre arrête-maille ou sur votre aiguille en attente. On va venir les reprendre. Donc je vous compte bien que j'en ai 20. 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18, 20. Donc maintenant, il va falloir... Donc moi, ce que je fais, c'est que je tire l'aiguille. Voilà. C'est un peu dangereux, mais voilà. Je tire surtout pas sur les mailles et je viens les reprendre avec l'aiguille. Et voilà, les 20 mailles sont sur mon aiguille. Donc maintenant, je viens avec mon aiguille droite travailler l'aiguille gauche. La manche est terminée. On tricote tout le rang. Le rang est terminé. La manche est officiellement terminée aussi. Voilà ce que ça doit vous donner. Donc le devant ou le derrière, comme vous voudrez. La manche qui est juste ici. Et du coup, on s'attaque à l'autre côté. Maintenant, on va continuer le tricot de la même façon en répétant les 8 rangs 9 fois et on obtiendra 14 motifs. Donc, je vais bien compter que j'ai 14 motifs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok. Et on va refaire le travail comme pour la première manche. Donc là, c'est parti. Alors, on va venir du coup, maintenant que la manche est terminée et qu'on est revenu sur notre travail, on va venir reprendre la partie 1 de la vidéo, donc je vais vous la redire, puisque là, on va du coup refaire comme au début, on va faire toute cette partie-là, mais on va la continuer de l'autre côté. Donc on reprend la partie 1 sur votre PDF, et on va venir du coup tricoter les 35 mailles. Donc je vous invite à tricoter les 35 mailles en aller-retour. Et je vous retrouve juste après. Je viens de terminer mon aller-retour sur les 35 mailles à l'endroit. On va venir faire le rang 3 et on va venir tricoter 20 mailles à l'endroit et ensuite on tournera le travail. Donc on vient tricoter les 20 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Maintenant on vient de terminer notre travail vu qu'on vient de tricoter les 20 mailles. On va tricoter les 16 premières mailles à l'envers puis les 4 dernières à l'endroit. Donc on vient tricoter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et 16, il doit nous rester 4 mailles et donc on vient les tricoter à l'endroit, les 4 mailles. Pour le rang 5 et le rang 6, on va tricoter les 25 premières mailles à l'endroit. Donc je vous les invite à faire le rang 1 aller-retour, donc rang 5 et rang 6 avec les 25 premières mailles. Quand vous avez tricoté le rang 5 et le rang 6 avec les 25 premières mailles à l'endroit, vous allez venir faire le rang 7 et le rang 8 en aller-retour, comme le rang 5 et le rang 6, sauf que cette fois, le rang 7 et le rang 8, vous allez tricoter les 30 premières mailles. Donc toujours pareil, on fait un aller-retour sur 30 mailles. Inutile que je vous montre comment je tricote les mailles à l'endroit, je vous invite à faire vos 30 mailles en aller-retour. Et on se retrouve juste après. Je viens de terminer mon rang avec un aller-retour sur 30 mailles. Donc voilà, vous obtenez 2 barres de pain de mousse. Et ensuite, je vous invite à recommencer les explications que je viens de vous donner sur la partie 1. Donc je vous invite également à télécharger le document. Je vais voir si je peux essayer de vous le mettre dans la barre de description, donc juste en dessous. Sinon, il faut que vous refassiez les 8 rangs que je viens de vous citer 5 fois au total. Pas 5 fois mais 9 fois pardon. Donc vous répétez les 8 rangs 9 fois au total et normalement vous y obtiendrez 14 motifs, le dos plus le devant, c'est ce qui est indiqué. Donc à voir, même si elle est un peu plus grande ce n'est pas très grave. Après il ne faut pas non plus que ce soit hyper grand. Donc moi je vais faire mes 8 rangs les 9 fois et puis ben, je vous retrouve juste après quand j'aurai terminé. Donc à tout de suite pour vous et à tout à l'heure pour moi. Je viens de finir mes 9 motifs, donc je vous montre. Là vous avez la manche, donc vous comptez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Le 9e il est là. Donc là il faut que je refasse un rang aller-retour sur 35 mailles et ensuite on va commencer à créer la deuxième manche. Du coup, il va falloir que vous preniez la partie 2, puisqu'on a terminé la partie 1. Donc, je tricote mes 35 mailles en aller-retour. Je vous laisse faire l'aller-retour et je vous retrouve pour la création de la manche. Je viens de tricoter mon aller-retour et donc du coup j'ai mes 3 barres de point de mousse. Maintenant on va démarrer la partie 2. Donc la partie 2, ils nous disent de tricoter les 20 premières mailles à l'endroit. Donc c'est ce qu'on va faire. Tricoter les 20 premières mailles. Ensuite, on va venir tricoter et glisser les mailles de droit sur une autre aiguille. Donc, je vais venir prendre une autre aiguille 0,5 plus petite que mon aiguille que je utilise là maintenant. Donc, c'est-à-dire un 2,5. Du coup, on va avoir besoin de tricoter une maille supplémentaire. Hop, et de la récupérer sur son aiguille. Hop. Comme ça, on a nos 20 mailles uniquement sur l'aiguille de droite. Et donc, on vient récupérer toutes les mailles avec notre aiguille 2,5. On vient récupérer toutes les mailles de l'aiguille droite. J'espère que vous voyez bien parce que je suis pas trop sûre de moi là. J'ai l'impression que vous voyez pas hyper bien. Là, en plus, je viens de détricoter une maille sans le faire exprès. Je vais changer le... Là, j'espère que vous verrez mieux. Donc, là, je suis en train de récupérer mes mailles qui sont sur l'aiguille de droite pour les mettre sur une maille en attendant de pouvoir tricoter la seconde manche. Donc... Ensuite, on tire de façon à ne pas perdre nos mailles. Du coup, on va travailler sur l'aiguille de gauche. Donc maintenant, on obtient 15 mailles normalement. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. On obtient 15 mailles. Maintenant... sur l'aiguille de gauche. Comme on a nos 15 mailles, maintenant on va venir ajouter 18 mailles pour créer la manche. Le reste de la manche. Donc c'est parti. On prend notre aiguille. Comme ceci. On prend un peu de fil. Et là on vient ajouter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Du coup, maintenant, on doit obtenir 33 mailles. Donc, j'avais mes 15. Donc, on va se faire confiance. On va dire qu'on en a 33. Et maintenant, on attaque la partie 3. Donc, la partie 3, c'est le premier. Rang 1 et rang 2, tricoter 33 mailles à l'endroit. Rang 3, tricoter 18 mailles à l'endroit. Rang 4, tricoter 14 premières mailles à l'envers. Et ainsi de suite. Je vous mettrai le lien dans la description. Je vous laisse refaire la manche puisque de toute façon je vous avais déjà expliqué la manche du début. Donc je vous invite à refaire la même chose. Je ne vais pas vous remontrer tout du début. Je vous retrouverai seulement à la fin pour créer la boutonnière ici. Puisque moi je vais mettre des boutons. Donc je vous montrerai. Et puis voilà. Je vous laisse ici. Je reviens vers vous. Alors, la brassière, où elle en est? Eh bien, tout simplement, j'ai bien avancé. Donc, je vous montre. On en est ici, donc on a fait une manche, on a fait la seconde, donc je vous ai pas tout montré parce que à partir du moment où on a fait la première, la manche et qu'on a commencé le dos, on est capable de faire l'autre moitié. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est que là, on vient de faire le dessin ici. Alors attendez que je vous montre bien la caméra. Donc ici, on vient de faire du jersey. Là, voilà. Donc maintenant, on va venir du coup faire le rang 5, 6, 7 et 8. Donc tricoter les 25 mailles, 30 et 30 mailles. Donc du coup, on va avoir besoin de faire une boutonnière puisque on va mettre des boutons. Si vous voulez une autre option, à vous de faire comme vous avez envie. Alors moi, je vais faire une boutonnière. Donc ce que je vais faire, c'est que du coup là, je vais tricoter là, je vais tricoter 25 mailles déjà pour commencer. Donc on fait ça ensemble. J'ai fini du coup le premier rang avec les 25 mailles. On va venir revenir sur notre rang. Du coup, on va revenir faire 25 mailles. Et ensuite, sur le prochain rang, on va commencer la boutonnière. Donc là, je finis le rang et je vous retrouve après. L'aller-retour sur les 25 premières mailles a été réalisé. Maintenant, on va venir faire la boutonnière sur le rang 7. Puisqu'après le rang 8, il ne nous reste que 2 rangs à faire. Donc là, on est au milieu. Donc à vous de décider le nombre de boutons que vous souhaitez réaliser. Moi, par rapport à la manche, je vais regarder ça. Je pense en mettre un vers ici et un peu plus vers le bas. Donc... c'est parti, on va tricoter les mailles, mais avant on va mettre des marqueurs à peu près sur l'endroit qu'on souhaite mettre des boutons. Donc moi j'ai dit un vers ici, voilà, et un du coup un peu plus vers le bas, voilà. Vous pouvez choisir de faire la même chose que moi ou pas du tout. Donc, c'est parti. On tricote le rang. J'arrive au niveau des marqueurs. Pardon. Du coup... ce qu'on va venir faire, c'est que là, j'ai mon marqueur qui est juste ici. Donc, je vais prendre les deux mailles ensemble. Voilà. Je viens faire un jeté. J'enlève le marqueur. Je continue de tricoter. Là, j'ai mon autre marqueur, donc je vais venir faire les deux mailles ensemble. Je reviens faire un jeté. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour tricoter une boutonnière sur ma chaîne. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Attention de ne pas tout arracher. Voilà. Et je finis mon rang, normalement. Pas normalement parce que du coup on doit tricoter les 30 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Il doit nous rester 5 mailles. Du coup, on tourne le travail et on tricote nos 30 mailles sur le retour. Je vais ramasser mes marques. Donc là, on tricote les 30 mailles à l'endroit toujours sur le retour. Là, on a jeté, donc on vient piquer, on tricote, on hop, on tricote les jetés comme des mailles normales. Donc il nous reste un aller-retour sur 35 mailles et on a terminé. Donc là j'ai fait mes 30 mailles, donc on a 2 bordures et de l'autre côté il y en a 3. Donc je vous invite à tricoter les 35 mailles, donc tout le rang complémentaire, donc tout le rang total. Vous tricotez vos 35 mailles en aller-retour, puis vous rabattez vos mailles. Donc on tricote les 35 mailles, puisque le tricot est terminé. Nous avons créé la boutonnière, il vous restera plus qu'à terminer le tricot, donc à rabattre vos mailles, à rentrer les fils, puis à fixer des boutons. Je vous montre ça juste après. Donc les boutonnières, il y en a une là. Et il y en a une par ici, voilà. Donc j'ai mis des boutons. Après vous mettez le nombre de boutons que vous souhaitez. Donc moi je termine mon travail, je rabats mes mailles et puis je vous montre quand c'est fini, quand tout a été réalisé, que j'ai mis les boutons, tout ça. A tout de suite. Donc j'ai bien terminé la brassière. Alors je vous montre les petits détails. Vous avez les 2 boutons, donc de la boutonnière, les manches, donc les petites manches, voilà, j'ai bien cousu tout ça, et si vous ouvrez, voilà, petit détail, donc la brassière est à réaliser en une seule pièce, ce qui est l'avantage. Moi je le mettrai plus de ce côté là, mais vous pouvez aussi le mettre le devant ici et le derrière, à vous de voir. Voilà, avec une petite boutonnière, c'est très sympa.